Michel Sardou n'a plus que deux concerts à faire, ce week-end, avant de rejoindre sa femme dans le sud de la France. Il a vendu son appartement parisien ainsi que son manoir en Normandie. Michel Sardou prend sa retraite. Il se produira une dernière fois, à deux reprises et dans le cadre de sa tournée d'adieu, ce week-end à Paris La Défense Arena, après une tournée longue et fatigante de 63 dates et 400 000 spectateurs. Des mots prononcés par l'artiste lors d'un entretien qu'il a accordé à nos confrères du Parisien, qui s'est effectué dans un logement de transit. Il n'a pas pu les recevoir dans son appartement à Paris, puisqu'il l'a vendu. J'avais peur de mal vendre mon appart avec la crise immobilière et je suis tombé sur un monsieur qui voulait absolument se barrer de la tour Eiffel. Il n'a pas discuté un franc, a-t-il déclaré au quotidien, lui qui expliquait en janvier 2023 n'avoir que des contraintes avec ce bien, il est très grand et si est-y des emmerdes. Il revenait également lors de cette interview sur l'acquisition de son manoir en Normandie. L'interprète d'Enchantant avait accepté de s'installer dans cette région, à une seule condition, et pas n'importe laquelle, elle, sa femme Anne-Marie Perrier, note de la rédaction, aime beaucoup Deauville. Elle a passé toute son enfance pas loin d'ici sur le mont Canisy. Pour moi, Deauville c'était l'Angleterre, de la pluie tout le temps. Un soir, au restaurant, je lui dis écoute, je veux bien acheter une maison mais je veux qu'elle soit dans un rayon de 7 km autour de mes profiteroles au chocolat. Michel Sardou, bonjour le Sud. Finalement, il s'est également débarrassé de ce bien, comme il l'explique pour le Parisien, j'y ai passé 15 années chouette mais l'année dernière, il a plu pendant 8 mois. J'ai mis en vente et un pote me l'a acheté le lendemain. Direction donc, après sa tournée, le sud pour Michel Sardou. Et Bormes-les-Mimosas dans le Var, plus précisément, où il a acheté une superbe villa avec piscine, salle de cinéma privée, vue sublime et voisins célèbres, je pars dans le midi, ma femme y est déjà. Il compte désormais profiter comme il se doit de la retraite et du soleil provençal, cet été, je vais prendre mon bateau, me baigner en pleine mer, à poil, et je parlerai aux dauphins.